Donc on a prévu une conclusion en demi-heure, trois quarts d'heure, je crois, mais on va abréger. Donc merci vraiment à vous toutes et à vous toutes d'être aussi, d'avoir été intéressés par ces 40 ans, d'en avoir été des acteurs, d'être aussi des acteurs dans la région, dans vos centres, dans vos départements, dans vos disciplines, etc. Donc merci vraiment pour tout ce que vous faites. Je pense que c'était très riche et ça valait le coup, franchement, il y a eu beaucoup d'investissements. Je remercie encore beaucoup Alexandra qui a beaucoup, beaucoup œuvré pour que tout se passe bien. Plus ce questionnaire, voilà, merci, parce que j'ai demandé d'applaudir. C'est un énorme travail et je pense qu'on peut en être satisfait, largement satisfait. Des petites infos, donc vous avez amené des numéros sciences et recherches participatives, vous vous servez, il n'y a pas de souci. Vous ne prenez pas mon numéro collector, je vais le cacher. Tout hasard, j'ai perdu une clé USB. Si quelqu'un a trouvé une clé USB à ses pieds, je ne sais pas ce que j'en ai fichu. Bon, il n'y a pas de données personnelles trop graves dessus, donc si ça se trouve, je l'ai quelque part ailleurs. Je ne sais pas, enfin bon, bref. Si vous la retrouvez, vous verrez. C'est pas trop grave. On a prévu un pot, donc si vous souhaitez, vous nous accompagnez au 8e étage et on prendra le verre de l'amitié tous ensemble. Frédéric, est-ce que tu veux compléter quelque chose là? Non, mais écoute, merci Michel. Merci Michel. Merci Michel. Non, merci. Je voulais aussi remercier des gens. Alors, ouais, Yves et Madeleine, c'est ça, je ne les ai pas connus. Mais je pense qu'ils ont dû. Enfin, voilà, c'était une bonne idée. Bon, c'est dommage. Bon, malheureusement, je suis pas sûr qu'ils soient encore de ce monde. Mais c'est bien d'avoir une petite pensée pour eux. Puis moi, personnellement, j'ai une pensée aussi pour Michel Varito, qui a été le rédacteur en chef. Enfin, moi, je n'ai connu, je dirais que lui comme rédacteur en chef, parce que j'étais dans le comité éditorial, celui qui m'avait proposé d'y être. J'ai été au titre de la CNE, Vincent, si tu t'en souviens. Michel, il a porté la revue pendant 10 ans. Il a fait, lui aussi, il a fait évoluer. Il a porté un certain nombre de numéros spéciaux. Quand il m'a proposé de prendre le job, j'avoue que j'ai pas hésité trop longtemps parce qu'il avait fait un tel boulot que ça semblait presque simple de continuer la courbe. Et puis voilà, un jour ou l'autre, il faudra aussi passer la main. Donc voilà, il faudra peut-être aussi un jour trouver quelqu'un pour reprendre le dynamisme. Et puis j'espère qu'on fêtera les 50 ans. Bon, on va pas vous inviter pour les 41 ans, hein, rassurez-vous. Mais il y aura peut-être d'autres événements. Et puis après, plus en interne, je pense notamment avec les correspondants de centre, on va retravailler ensemble pour relancer cette dynamique avec l'aide aussi des PC. Bon, je pense qu'il y a des choses à faire. Et puis bon, la grande aventure là de l'année prochaine, ça va vraiment être le numéro social bien-être animal en expérimentation. Par exemple, je veux dire, parce que ça me semble tellement évident que je l'oublie, pardon. Et puis tout le travail qu'on va à faire sur la plateforme de Bordeaux, cette bascule qui va, à mon avis, vraiment donner une toute autre ampleur encore à la revue et puis prolonger cette belle histoire commencée il y a 40 ans. Rendez-vous au 8e. Rendez-vous au 8e. 조이즈 아니베르세 조이즈 아니베르세 조이즈 아니베르세 조이즈 아니베르세